Bonjour tout le monde. Hello, hello. Est-ce que tout le monde va bien? Bonjour, bonjour. Super, je vois qu'il y en a qui sont déjà arrivés. Pouvez-vous déjà, avant que nous commencions, me confirmer que le son est correct, que vous m'entendez bien, s'il vous plaît? Coucou Fabienne, bonjour Marie-Thérèse, merci pour le partage. Coucou Maître Indrine, salut Mumu, coucou Laurence, bonjour Véronique, coucou Mumu. Eh bien oui, aujourd'hui je suis toute seule. Et oui, ça se repose un petit peu, il est temps que les vacances arrivent. Le son et l'image, ok, super, je te remercie ma Laurence, c'est gentil. Merci Mému. Coucou Laurence. Pour toi c'est top. Bon, super. Waouh, je cherche les lumières de. Les lunettes de soleil. Même Fabienne, tu vas me faire rougir. Marie-Thérèse, tu m'entends bien aussi. Véronique, pareil. Coucou ma Sandrine, tu vas bien, ma belle. Bon, alors c'est parfait. Si. Tout va bien. Il est où mon bonnet? Il est à côté de moi. Alors j'ai essayé de le mettre, mais alors j'ai les cheveux tellement électriques, c'est une catastrophe. J'ai abandonné, je me suis énervée. Donc il est là. Mais non, pas aujourd'hui, ça m'agace trop. Bonjour Nicole, comment ça va? Non, j'ai perdu mon courage de le porter là aujourd'hui. Voilà, en hiver, c'est toujours la galère avec mes cheveux, ça se balade dans tous les sens. Alors, voilà, je suis sûre que tu m'en veux pas. Bienvenue à tout le monde. Brushing drin drin, oh, bah, ça va être joli. Coucou Claudine, comment ça va? Son et image au rendez-vous. Parfait, merci pour ton retour Claudine, c'est gentil. Alors, coucou Viviane, j'espère que tu vas bien, ça me fait plaisir de te voir ici, c'est super. Le rouge sur tes lèvres, ça ira. Je te remercie. Coucou Michaela. Hello Émilie. Ah, ça me fait plaisir, il y a plein de monde aujourd'hui. Des personnes chères à mon cœur, donc ça c'est cool. Super, super. Alors, tout d'abord, je tiens à souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent aujourd'hui pour la première fois. J'espère que vous passerez un bon moment en notre compagnie. Je suis Harmonie Marais, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis janvier 2020. Et chaque mercredi, eh bien, tout simplement, je vous propose un rendez-vous créatif à 14h sur cette page Facebook Harmony Scrap. Et en général, on passe un bon moment de franche rigolade pour la plupart du temps lorsque j'ai la chance d'avoir mes chippies et peut-être Crapouillot qui sont présents. Coucou Jocelyne, pas très en forme après ma troisième dose. Ah oui, ça, je veux bien le croire. La mienne sera bientôt, normalement, l'année prochaine, en janvier. J'ai un petit peu peur, mais bon. Voilà, et c'est bien de l'avoir fait en tout cas, c'est top, bon courage. Bientôt les 2 ans chez Stampin' Up. Oui, bientôt 2 ans, c'est vrai. Le 3 janvier justement, le jour de ma troisième dose. Bon, bah, on va croiser les doigts pour que ça me porte chance. Coucou Morissette, et ben voilà, super, t'as réussi à trouver. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Bien. Alors, on va commencer. Je vais commencer comme d'habitude par vous donner quelques petites infos. Donc, vous le savez, on arrive à la fin de l'année, les fêtes approchent. Toujours. Oui, la sortie de catalogue aussi. Non, c'est le 4, ma belle. Coucou Rachel. On est tous et toutes en train de préparer tranquillement nos fêtes de fin d'année. J'espère que pour vous, ça sera une bonne période. Un bon moment, et que ça sera que du positif et du bien-être pour vous. Et puis, bien écoutez, quelques infos avec Stampin' Up quand même. Donc, nous avons toujours en cours les liquidations. Donc, vous le savez, hein, des produits qui sont à prix réduit en ce moment. Il y en a encore des disponibles. Coucou Fabienne! On va voir un spectacle. J'ai fait une mini-pause. Ah, bon, je suis contente que tu sois là à chaque fois pour ta petite pause. C'est cool. Merci. Donc les liquidations sont toujours disponibles. Donc allez y faire un petit tour. Si vous avez encore quelques petits coups de cœur, vous pouvez encore en profiter. Aujourd'hui, nous sommes le 15 décembre et vous le savez, le 15 décembre, c'est la date à laquelle j'ouvre en fait les inscriptions
pour la box mensuelle du mois prochain. Donc les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 20 décembre, donc d'aujourd'hui jusqu'au 20 décembre. Voilà, c'est une box de scrap que vous recevez chaque mois avec voilà, des petites surprises dedans. Je n'annonce jamais à l'avance ce que je vous mets dedans, comme ça vous avez la surprise à l'ouverture chaque mois. Chaque mois, vous êtes de plus en plus nombreuses en fait à tenter l'aventure de la box mensuelle. Donc merci beaucoup. J'ai encore eu des inscriptions aujourd'hui, ça me fait vraiment très plaisir. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de tenter. C'est donc sous forme d'abonnement, 1 mois, 3 mois, 6 mois ou 1 an. Voilà, vous avez plusieurs choix. Donc voilà, n'hésitez pas, vous avez le lien sur ma page ou sur mon blog harmoniescrap.fr. Coucou Karine, coucou Virginie. La box de décembre, une tuerie. Oui, je sais qu'elle te plaît, celle-ci, ça me fait plaisir. Je crois que vous avez été nombreuses à qui elle a beaucoup plu, celle-ci. Ça, c'est top. J'ai juste rempli le formulaire, le virement permanent est déjà illimité. Ouais, mais Fabienne, toi, t'es incroyable. Merci beaucoup d'avoir prolongé. Alors, et Muriel. Ah, ce sera l'anniversaire de ton fils le 3 janvier aussi. Bon, bah super. Ça va être positif alors. La box calendrier de l'Avent annuel. Oh la vache! Tu m'as fait un joyeux mix, la Mumio. Excellent. Ok, donc vous savez, vous avez un maximum d'infos. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont reçu, ça y est, le mini-catalogue que j'ai envoyé. Les autres, les personnes qui me l'ont demandé, qui ne l'ont pas encore reçu, ne vous inquiétez pas, vous le savez, en cette période de fête, la poste et tout ce qui est, ce qui sont les plateformes de livraison sont surchargées en ce moment. Donc ne vous inquiétez pas, si vous m'avez fait la demande, votre catalogue est parti, il ne devrait plus tarder. Pour celles qui n'ont pas encore fait la demande et qui n'auraient pas déjà de démonstratrice, n'hésitez pas, vous pouvez toujours me demander un catalogue. Vous avez le lien en haut de la publication. Ah, c'est aujourd'hui, Mumu. Pardon, autant pour moi. Donc, joyeux anniversaire à ton fils. Pardon. Ah, les aimants aussi. Super. Véronique, bien reçu le catalogue. Bon, alors est-ce qu'il te plaît au moins ce catalogue? Est-ce que tu as commencé à le feuilleter et à remplir ta petite wishlist? Dis-moi. Coucou Martine, comment vas-tu? C'est super. Alors, dernière petite info, question organisation. Donc aujourd'hui, nous faisons le live 87. La semaine prochaine, nous ferons le live 88. Donc, ce sera en fait le dernier live de l'année 2021. Nous serons donc le 22 décembre et ce sera donc le 22 décembre, c'est le lendemain en fait de l'aphélie. Je suis sûre que vous ne savez pas ce qu'est l'aphélie, en fait c'est le solstice d'hiver et c'est le moment où la Terre est le plus loin du Soleil. Donc le 21 l'aphélie et le 22 le dernier live de l'année 2021. Voilà, une petite info comme ça. Alors, je reprends les commentaires. Coucou Rachel, oui, il te plaît, hein? Ouais, il est vraiment magnifique. J'ai commencé à travailler les portes ouvertes, donc à vous préparer des créations. Je m'éclate. Puis j'ai tellement d'idées que j'arrive pas à... Ah, voilà. Mais c'est top. Ensuite, coucou Fatou, tu vas bien? Sandrine. Et la sable, oui, la sable aussi, il y a des trucs incroyables dedans, il y a des papiers, moi, qui me font complètement craquer. J'ai envie de tout utiliser là, en fait, déjà. Je peux pas tout faire en même temps, hein, mais petit à petit, on va y arriver. Alors, moi, je reçois du courrier, mais à ouvrir que samedi, c'est bizarre. Oh oui, comme c'est bizarre, ma petite marotine. Patience, patience. Ok, alors, c'est parti, on va, je vais prendre la deuxième caméra et puis on va parler de notre création du jour. Alors, on va pousser la souris. Voilà, dont on se moque un petit peu. Alors, le projet d'aujourd'hui, vous l'avez vu et vous avez été très nombreuses à me dire que le projet vous plaisait beaucoup. En effet, il est très sympa, très joli et puis vous allez voir, il est simple à réaliser donc. Pas de souci. C'est une petite carte
qui, somme toute, paraît assez banale quand on la voit comme ça, mais elle donne tout son effet à l'ouverture, puisqu'elle laisse apparaître un petit sac cadeau qui est intégré donc à la carte. Et ça fait une jolie surprise pour les futurs cadeaux de Noël notamment, mais aussi pour les anniversaires, parce que du coup vous pouvez l'adapter pour n'importe quelle occasion, donc ça c'est top. Voilà ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Bon, ça vous plaît toujours maintenant que vous le voyez en mouvement? Vous avez toujours envie de le faire? Ok. Alors, eh bien on y va! Qu'est-ce que vous en pensez? On démarre? Alors je sais qu'il y en a qui vont le faire en même temps que moi, il y en a qui le feront après. Quoi qu'il en soit, pas de panique, quel que soit votre choix, vous savez qu'après le live, vous retrouverez la vidéo, mais également la fiche technique et la liste des produits que j'ai utilisés pour ce projet. Donc vous aurez vraiment tout sous la main pour faire et refaire ce petit projet, quelles que soient les occasions que vous aurez choisies. Merci Jocelyne, merci Nicole. C'est gentil. Et il y en a qui vont faire les clowns. Tout à fait, il y en a qui vont créer en même temps que moi et il y en a qui vont raconter des bêtises dans les commentaires. Comme d'habitude. Allez, au boulot, tu n'as pas de lutine. Oui, effectivement, là aujourd'hui, je suis toute seule, donc comme une grande, je vais vous faire le projet toute seule. Bon, ça va quand même, hein, j'en ai fait quelques-uns avant toute seule, donc normalement, je devrais m'en sortir. Mais je sais que vous êtes là, que je peux compter sur vous si jamais il y a le moindre souci. Alors, c'est parti. Il y a pas mal de choses, hein. Je vais essayer de rien oublier. Notamment, c'est pas la peine de vous moquer de moi, vous le savez, il y a des aimants. J'ai pris d'autres aimants, donc ça devrait aller cette fois. Mais on ne se moque pas, d'accord? Mais de qui parles-tu? Tes chippies sont toujours très sages, mais bien sûr, c'est bien connu. Alors, hop, c'est parti. Je prends tout ça. Le sentiment ici que j'adore, hein, qui est vraiment trop beau. Je vous ai pas montré, mais il est dans ce set-là, Joyeux Moment. Et il est vraiment top. Il y a vraiment, vraiment plein de choses à faire. Des jolies fleurs, vous avez vu, je l'ai mise aussi là en déco. Il est hyper complet, set de tampons, donc Joyeux Moment. Vraiment, n'hésitez pas si vous voulez le commander parce qu'il est vraiment très sympa. Aujourd'hui, je vais travailler avec la collection Noël en peinture. Hop, je vais prendre tout ça, on va essayer de faire un petit peu de place. Hop, voilà. Et du coup, aujourd'hui, ce sera ces deux sets de tampons-ci qui vont avec la collection en fait Noël en peinture. Donc là, on a Noël inoubliable à gauche, Christmas Season à droite. On a largement de quoi faire. Et du coup, avec ce set-là, éclatez-vous à faire vos papiers imprimés vous-même, vous le savez. Moi, j'adore ça, de pouvoir créer, voilà, son propre papier. C'est super sympa, ça détend drôlement en plus, je trouve. Puis ça donne une petite satisfaction aussi, hein, d'accord. Donc, il y a vraiment beaucoup de possibilités à faire avec ce set-là. Alors, hop, on y va. Pour la réalisation de cette carte sac cadeau, il vous faut quelques morceaux de papier. Alors, on va commencer par les deux plus importants. Voilà, ça sera ceux-là pour l'instant. Donc, la base de carte, si je vous mets le post-it dans le bon sens, ça ira sûrement mieux pour vous. La base de carte dans du papier uni, 28,7 par 5. Pourquoi j'ai écrit 7, j'en sais rien, mais c'est pas grave. Par 12. Si c'est ça, 28,7 par 12 cm pour la base de carte en papier uni. D'accord? Donc ici c'est mon papier rouge là, voilà. Et le sac cadeau donc que je vais réaliser avec le papier imprimé, celui-ci, il mesure 27,5 par 10 cm. OK? C'est vraiment les deux morceaux de papier avec lesquels on va travailler le plus. Le reste du matériel, ça sera principalement de la déco. Donc, vraiment très simple, il n'y a pas de souci, on aura surtout à coller, d'accord? Là, on va vraiment focaliser sur ces deux papiers-là. Je vous donnerai les mesures des autres papiers après, pas d'inquiétude, on va faire les choses dans l'ordre.
Ok. Et je vous demande 2 secondes, j'ai oublié ma petite perforatrice, comme d'habitude, qui arrondit les angles. Alors, voilà, j'y ai pensé et je l'ai oublié. Ça, c'est bon. Puis comme j'ai pas mon petit lutin à côté pour me l'attendre, eh bien voilà. Alors, on va commencer par le plus simple, d'accord? C'est-à-dire notre base de cartes et on va marquer les plis. Alors, c'est parti. Je prends mon coupe-papier. Hop. J'essaie de faire un petit peu de place. Voilà, pour que vous voyez bien tout ce qu'il faut. Je n'ai plus accès à vos commentaires, mes petites dames. Donc, faites-moi un petit signe pour voir si c'est moi qui bug ou si vous êtes là. Ok. Donc, on est bien sur le papier uni 28,7 par 12 cm. Hop, c'est bon, je suis dans le champ, vous avez tout. C'est parti. Rien de compliqué, on marque 2 plis simplement. Ok? Donc, sur le bord long ici, je viens faire un premier pli à 11,7. Voilà, 11,7. Et le deuxième, je vois plein de petits cœurs, c'est trop cool. Par contre, je vois toujours pas de commentaires. Et le deuxième pli à 23,7. Voilà, ça sera tout simplement notre base de cartes. Donc 11,7, 23,7. Hop, c'est ce qui va accueillir, voilà, tout simplement notre petit sac ici. Ok? Vous avez vu, pas compliqué, hein. Avant d'oublier, maintenant que je l'ai récupéré, je vais arrondir les angles du petit rectangle. Alors, ce n'est pas obligatoire, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hop, moi j'aime bien, ça donne un petit côté un petit peu plus doux. Je trouve ça sympa. Ce rouge ici, c'est du rouge rouge. On a l'impression qu'il part un petit peu sur le bordeaux, mais un petit peu moins que le cerise carmin quand même. Ok, alors ça c'est bon, j'ai ma base de cartes. Je vais maintenant prendre mon papier imprimé. Alors, bougez pas, j'essaye de récupérer vos commentaires parce que quand même, c'est contrariant. Ça change, mais mieux d'habitude, c'est ta langue qui fourche. Bon courage Fabienne, du coup je t'ai pas vu partir. Effectivement, hein, j'ai encore un problème de commentaires. Bon, j'essaierai d'actualiser régulièrement au cas où. Alors, mon papier imprimé, 27,5 par 10 cm. Hop, et on va venir faire ces fameux plis. Ok, il y en a quelques-uns, mais rien de compliqué encore une fois. D'accord? Alors, je vais commencer par les plis qui sont sur le bord long. Donc, mon premier pli est à 1,5. Attendez, hop. Voilà, j'ai ma lame qui... Ah oui, c'est qu'il y avait un bout de papier qui m'agaçait. Voilà, 1,5 pour le premier pli. Ensuite, 3 cm. 1,5. 3 cm. Je passe ensuite à 13 cm. 14 et demi. 16. Alors, je ne les vois pas là tout de suite, mais vous allez avoir les mesures de plis dans les commentaires par Drindrin. Et je vous les répéterai aussi, bien sûr. Donc j'étais à 16 et mon dernier pli, hop, il est à 26 cm. Ok, je vous répète les mesures de plis sur le bord long. Donc 1,5, 3, 13, 14,5, 16 et pour finir, 26 cm. Ok, je vais retourner mon papier sur le bord court et là, je vais faire un premier pli ici à 1,5. Hop.
1,5. Voilà. Et le second, en fait, je vais me servir de la partie droite de mon coupe-papier. Et là, cette fois, le pli, il va être à 2,5, mais depuis le bord droit, hein, attention. Hop, je positionne bien. Voilà, 2,5, 2,5 cm, mais depuis le bord droit. Ok, ça, c'est bien marqué. Ok, bon. Alors maintenant, on va procéder aux coupes pour ce petit sac. Alors, c'est très, très contrariant de ne pas avoir les commentaires, hein, je vous assure. Mais ça va le faire. Hop, voilà. Alors effectivement, je vois que vous en mettez, mais uniquement quand je mets à jour. Donc, bon. Alors, maintenant que tous ces plis sont faits, je vais venir tranquillement les marquer. Voilà. Non, j'ai plus mon bonnet ga gazelle. Il m'agaçait, j'ai les cheveux trop électriques. Alors, coucou Isa, tu vas bien, ma belle? Hop. Voilà. Je continue, je marque tous mes plis et puis je vais vous montrer après, hop, les petites coupes que nous allons faire. Je vais vous mettre le schéma, comme ça vous aidera à voir un petit peu mieux comment ça va se passer. Montagne, vallée. Je marque mes plis et je vous remontre tout ça, hein, vous inquiétez pas. Hop. Si c'était droit, ça serait pas mal. Voilà, de nouveau montagne. Hello, hello. Bonjour, bonjour. Bienvenue à ceux qui arrivent maintenant. Je vous souhaite la bienvenue. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes en train de réaliser une petite carte avec un sac cadeau dedans intégré. Alors, hop. Je fais une petite mise à jour. Voilà. Armo Noël ou brushing, il a fallu faire un choix. Je fais pas de brushing. Jamais. J'ai pas le temps. Je sais pas faire en plus. C'est une catastrophe. Muriel, coucou Muriel, tu vas bien, ma belle? C'est bon, on peut marquer des bêtises. Harmonie ne voit pas. Oh, comme elle est vilaine. Oh, c'est pas gentil! Ah là 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 là. Vous êtes un quand même incroyable. Hein. Vous êtes des sacrés chippies. Alors, je vous mets le schéma ici pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte de ce qu'on va faire. Vous avez l'habitude hein, de ces schémas. Je vais peut-être le rapprocher un peu plus. Voilà ce que ça va donner. Ça, c'est donc le morceau de papier imprimé qu'on vient de plier, d'accord? Et sur lequel on va faire des découpes, notamment pour créer des languettes. Ok, on va se séparer d'une partie et puis on va venir faire des petits trous, bien sûr, pour passer nos rubans, ok, pour créer les anses du petit sac. Ça marche? Alors, hop, voilà. Oh tristesse, j'ai loupé deux poinçons sur le catalogue hiver, je suis verte. Oh ma petite marotine. Oui, Mumu, il y a des aimants, je t'ai dit, faut pas se moquer de moi. Alors, hop, je vous demande 3 secondes. Je vais réactualiser ça. En attendant, essayez de jeter un petit œil sur le schéma. Voilà. Je vais récupérer, je fais juste une mise à jour sur mon téléphone pour essayer de vous voir un petit peu mieux. Mais en fait, ça veut pas. C'est magnifique. Vive la campagne. Ma page Facebook ne veut même pas s'afficher sur mon téléphone. Ça y est, on va y arriver. Ok, voilà. Et voilà. Coucou Anita, comment ça va? Alors,
Ça, c'est quand même incroyable. Ça y est, bien. On va voir si ça fonctionne un petit peu mieux. C'est magnifique parce que j'ai même le retour de mes sous-titres, ce qui ne m'est jamais arrivé, hein. Extraordinaire. Ok, alors, ici, je vais prendre le papier dans le même sens que mon schéma pour vous aider et je vais vous montrer ce que l'on va couper. Donc, j'ai face à moi le petit pli horizontal qui était de 1,5. Ok, donc celui-ci, là, celui-ci, il est en bas vers moi. D'accord? Donc, ce qui veut dire que ces deux carrés-là, nous allons les couper, ils vont tomber. Les deux du centre ici également. Les aimants, ce n'est pas obligatoire, Rachel. Comme de toute façon, on va utiliser un bandeau pour tenir la carte, il n'y a aucune obligation à mettre des aimants. D'ailleurs, tu me donnes une idée, je ne vais peut-être pas en mettre sur celui-là. Donc, les deux carrés ici vont tomber. Les deux ici vont tomber également. Et là aussi. Donc là, pouf, on va ouvrir tout ça. Sur le haut. On va venir se séparer des deux ici. Là, on va le rabattre. Ici, on va ouvrir également. Et la petite languette ici aussi. Ok? Alors, reconnecte-toi, Mumu. Ça va aller. Pas d'aimant sur cette version Olamain. Eh oui. Je sais, je profite. C'est un petit peu lâche de ma part, mais j'assume. J'assume. Allez, c'est parti, je viens couper. Alors, si je vous mets ça là, j'espère que ça va vous aider. Hop. Voilà. J'essaye de ne pas me mettre trop dans le champ pour que vous voyez bien. Tout va bien? Est-ce que vous arrivez à suivre, à voir comme il faut? Morissette, je ne sais pas du tout ce que tu as mis comme commentaire. Je ne vois que des euros. Hop. Voilà. Donc les deux petits ici, on les enlève. Voilà. Ici aussi. Je tremble comme une feuille aujourd'hui. Incroyable. Alors, je suis encore obligée de réactualiser. Voilà. Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous arrivez à suivre tout ça? Dites-moi. Ici, on retire. Voilà, et il me reste les deux à l'autre bout à couper. Hop, alors, voilà à peu près. Voilà ce que ça va donner une fois que vous vous êtes séparés de tous les petits carrés et rectangles que je vous avais montrés. Est-ce que ça va pour vous? Dites-moi. Est-ce que c'est OK? Il y a moins de bêtises, hein, qui sont dites apparemment, j'ai l'impression. On se demande pourquoi Crapouillot n'est pas là. Alors. Elles sont sages, oui, t'as vu Gazelle, elles sont trop sages aujourd'hui. Bon, ceci dit, c'est pas plus mal, hein? Alors, maintenant que nous avons fait tout ça, je vais vous montrer à peu près comment ça va venir se positionner. Les deux grandes languettes ici vont se rabattre à l'intérieur. Et tout simplement, hop, on va le rejoindre, le faire se rejoindre comme ceci. Voilà. Donc les plis du côté viendront à l'intérieur.
Hop. Comme ça. Ok, bon là c'est pas plié, pas collé, donc forcément ça va moins bien le faire, mais ça va le faire. Ok. Et donc les deux grandes languettes que vous avez ici, en fait, elles viendront se coller de chaque côté du premier pli de notre base de carte. D'accord? Avant tout ça, ce que l'on va faire, c'est venir ici faire des petits trous tout simplement pour passer notre ruban. Donc, je vais rabattre dans un premier temps donc ces deux petites languettes. Je vais venir faire deux trous de chaque côté pour insérer donc mes deux petits morceaux de ruban qui vont faire comme si c'était une anse de petit sac. OK? Pour ensuite maintenir tout ça, je vais vous donner la mesure du papier design. En fait, j'ai rajouté une petite bande de papier de chaque côté pour deux raisons. La première, elle va maintenir le ruban. Et la seconde, c'est que ça va permettre une meilleure tenue du petit sac. OK? Alors, c'est parti. Je vais déjà correctement marquer mes plis. Qu'est-ce que tu fais là, Yeuron? Qu'est-ce que tu fais là? Veux-tu retourner par là? S'il te plaît. Alors, je vais un petit peu biseauter ça ici. Au cas où, pour ne pas être gêné au moment où je vais vouloir coller et plier, enfin plier et coller, dans le bon sens, ça sera mieux. Voilà. Hop, donc ces deux grandes languettes rentrent à l'intérieur et je vais venir faire des petits trous. Donc vous pouvez mesurer si vous voulez pour centrer le mieux possible. Donc en gros, vous avez. On va compter une largeur de 10 cm ici, une longueur, pardon. Mais ça suffit! Donc j'ai mon centre, vous vous en doutez, à 5 cm. Donc pour que ce soit logique, je vais me faire un trou à 3 cm et un trou à 7 cm. Hop, et je vais compter à peu près 1 cm. Là et là, voilà, juste des petites marques pour pouvoir bien faire mes trous. Donc je me place ici, hop, une petite marque à 3, une petite marque à 7, 1 cm depuis ici. Voilà. C'est vraiment pour pinailler, pour que ce soit le plus droit possible. Mais si vous préférez y aller à l'œil, n'hésitez pas, faites-vous confiance. Je suis tout à fait désolée de ne pas pouvoir échanger avec vous. Je n'ai pas de retour de commentaires. En fait, ça reste en bug sur les 4 derniers commentaires que j'avais. Donc, ce n'est pas que je ne veux pas vous répondre. Nous sommes toujours sages. Oui, on est toujours sages. La jumelle n'est pas là non plus. Oui, bonjour le chien. Effectivement, il est venu squatter. Ça y est, il est reparti. Allez, je prends ça. Hop. Je vais faire avec celui-là et je viens faire mes petits trous. Voilà. Bon, l'avantage de cette fait une petite marque, on sait que hop, ça va pile tomber, donc ça va être nickel. Voilà. Hop. Les derniers. Voilà. Ça, c'est nickel. Donc, je vais pouvoir venir dans un premier temps coller cette petite languette sur l'intérieur du petit sac. Hop. Ensuite, je vais insérer mes rubans et rajouter, donc, comme je vous disais, une petite bande de papier. Alors, la question que je me pose, c'est je vais faire dans l'autre sens en fait. Que je voulais l'autre papier. Donc je vais plutôt faire comme ceci. Voilà. Alors, c'est parti. Je rabats et je colle ces deux petites parties-là. Voilà. On va voir l'intérieur. Hop. Pareil de l'autre côté.
Ok, maintenant mon ruban. Alors, là vous avez vu, sur le premier, je n'ai pas pris très très long. On n'a pas besoin hein, que ce soit super long, parce que sinon après ça déborde de la carte, c'est quand même ballot. Hop. Donc, c'est parti, on rentre notre petit ruban d'un côté puis de l'autre. Voilà. Je vais faire les deux et puis avant de tout coller, je vais les ajuster, pardon. Hop, je vais faire le deuxième. Là, comme je suis sur le rouge et le vert, je suis partie sur le ruban or. Il est super joli. Tout brillant. Voilà. C'est pas drôle de pas voir vos commentaires. Je peux pas papoter avec vous là. Du coup, je suis méga sérieuse. Et un petit peu palmée aujourd'hui. Voilà. Alors, hop, je remets mon papier à plat. Je vais me servir, par exemple, hop, de mon plan ici pour aligner. Voilà. Pour voir à peu près la longueur. Hop. Voilà, c'est à peu près de la même hauteur, donc c'est super. Voilà, celui-là, je vais peut-être le tirer un petit peu plus. Hop. Ok. Donc, je vais maintenant venir coller deux petites bandes de papier ici pour retenir donc ce ruban et pour assurer un maintien supplémentaire à mon petit sac. Donc pour cela, il vous faut deux petites bandes de papier qui sont pas loin, qui sont ici. Voilà. 9,9 par 2,5. Ok. 9,9 par 2,5. Et en fait, elles vont tomber ici pile poil pour pouvoir cacher le ruban. Ça marche? C'est OK pour vous? Est-ce que vous arrivez à suivre? Est-ce que je suis assez claire? Coucou Corinne, il ne manque plus que les deux ados. Oui, je suis assez d'accord. Moi aussi, ça bug les commentaires sur le PC. Tu nous as fait un projet où on est obligé de suivre. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que vous êtes si sage. Coucou Corinne, tu vas bien? Alors, je ne sais pas à quel moment vous avez mis vos commentaires. Et j'en suis désolée si je réponds en retard. Alors, je prends ça et je viens coller ces petites bandes de papier. Vous dormez les filles. Oui, t'as vu, Fabienne, elles dorment. Voilà, elles ont décidé de plus rien dire aujourd'hui. Elles se disent à quoi bon? De toute façon, elles ne nous voient pas parler, donc on dit rien. Mais non, non, je vous en prie, papotez entre vous. Quand même. Donc 9,9 par 2,5. Voilà. Je viens coller ça. Hop. Nickel. Comme ça va parfaitement tenir. Ça va être super. Zou. Pareil de l'autre côté. Voilà. Donc on a un joli petit sac avec deux petites anses. Ça va être trop mignon dans la petite carte. Hop. Ça va venir comme ça, se coller. Hop. Montagne, vallée. Et celui-là, il va venir se mettre ici. Voilà, on a déjà un bon début de petit sac. C'est joli, hein? Alors, avant de le coller sur notre base de cartes, je reprends ma base de cartes que nous avons préparée tout à l'heure et nous allons... voyez? Ah, ma petite Fabienne, merci de mettre pas un petit cœur. Je me sens moins seule. C'est affreux.
Ceci étant dit, non. Vous voyez, je vous ai donné en fait des mesures qui correspondent à l'emplacement exact. Donc, on peut se permettre de coller le petit sac tout de suite. Ok? Si vous voulez que ce papier qui est là, dont je vais vous donner les mesures, arrive jusqu'à votre pli ici, il vous suffira simplement de mesurer pour voir à peu près à combien ça correspond. Là, je vous ai donné les mesures, donc avec le petit sac qui est directement collé sur la base de carte. Donc vous le voyez sur le petit sac là, on a les petites languettes du fond qui vont venir se coller de part et d'autre du premier pli que nous avons fait sur la base de carte, qui était à 11,7 si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. D'accord? Donc il va falloir le positionner de façon à ce qu'il soit le plus centré possible. D'accord? Donc ces languettes seront posées. Le sac va être positionné en fait à califourchon sur le premier pli. Ok? Est-ce que c'est bon pour vous? C'est bon? Ah! J'espère que c'est bon, je ne vois pas vos réponses. Ok, donc je viens positionner le petit sac. Heureusement que je vois tes petits cœurs, Fabienne, parce que sinon je vais désespérer. Alors. On va venir coller les petites languettes latérales ici pour assembler le sac. J'ai pas l'habitude d'être toute seule comme ça, c'est pas drôle. Non seulement j'ai pas Lily, j'ai pas Clem, et puis en plus vous, je vous vois pas papoter. Alors... Aïe aïe. Heureusement que j'avais un défi. Hop, je viens coller. Alors, pour vous donner une indication, le dernier commentaire que je vois, c'est Fabienne qui met « Vous dormez les filles ?» J'en suis là. Bien. Donc, mon petit sac, il va venir se positionner comme ça et comme ça. Donc, sur la languette ici, je vais venir positionner du double face ou de la colle. D'accord? Et je vais rabattre ma carte pour qu'il puisse, pouf, basculer dans l'autre sens. Ici, je vais mettre donc toujours mon double face ou de la colle. Okay, et je vais faire la même chose. Et comme ça, une fois que ce sera fait, quand ma carte va s'ouvrir, hop, on aura notre sac ici. Ok? C'est pas compliqué, hein, vous voyez, vraiment très très simple. Donc je mets bien la colle, hop, sur cette petite languette. Dans un premier temps. Voilà. Je me positionne donc, je centre par rapport au haut et au bas de ma base de carte. Ok. Et je viens positionner mon sac ici à, allez, un demi-millimètre de ma marque de pli de carte. D'accord? Ok. Et là, zou, je referme ma carte du côté gauche, de la gauche vers la droite, pour que cette petite languette soit bien collée à ma base de carte. Voilà. Et je viens faire la même chose de l'autre côté. Donc je remets ma colle sur ma petite languette ici. Hop. Comme ceci. Et cette fois-ci, je rabats la partie droite de ma carte. Hop, sur ma languette, je vérifie que tout est bien positionné et je fais prendre donc la colle sur mon papier imprimé et sur ma base de carte. Oh, coucou Ali! Je vois tes petits cœurs, je sais pas si t'as mis un message, mais je vois tes petits cœurs. C'est ma petite belle-sœur. C'est la maman de Milo. Alors. Tu auras de la lecture. Ouais. J'ai que 5 commentaires qui s'affichent. Expliquez-moi pourquoi. Quelle frustration. Mon Dieu. Non, je veux les voir. Bon. Voilà. Donc, vous voyez, très simple, très, très, très simple.
Ici, sur la gauche, j'ai préparé donc mes morceaux de papier, un sur la gauche, un sur la droite. Ok, donc j'ai choisi de mettre du papier blanc que j'ai tamponné, parce que vraiment les sets de tampons sont trop beaux. D'accord, donc joyeux Noël, bien sûr, nos petites feuilles de houx. Ce morceau mesure 11,5 par 9,5. 11,5 par 9,5 et il vient se coller à gauche de mon petit sac. Sur la droite, mesure un tout petit peu plus grande, 11,5 par 9,8. Ok, ça marche pour la droite. Mais vous pouvez parfaitement choisir de mettre du papier design. Ok? Donc je vous l'ai dit, aujourd'hui je ne vais pas mettre d'aimant. Par contre, sur la fiche technique, il est indiqué de mettre 4 aimants. Les aimants, tout simplement, vous en mettez un ici, donc à l'intérieur de votre petit rabat, d'accord? Et selon la polarité de vos aimants, vous choisissez de le mettre, de mettre les deux autres en fait, soit ici à l'intérieur, soit ici à l'extérieur, pour, hop, qu'ils se rejoignent. D'accord? Donc pensez bien, si vous souhaitez mettre des aimants, à les mettre avant de mettre soit votre papier blanc, soit votre papier design, qui sont de chaque côté du petit sac. Voilà, donc je vous relaisse ici et là. Donc vous avez les mesures des deux morceaux de papier que l'on met à gauche et à droite du petit sac. J'espère que je suis claire. Voilà. Depuis que j'ai appris à me servir du Stampin' Seal avec mon tapis de silicone, je ne m'en passe plus. Et je viens coller ce morceau ici. Voilà. Et pareil de l'autre côté pour le morceau de 11,5 par 9,8. Voilà. Ici. Alors, vous doutez bien que ici, hein, je vais mettre de la déco quand même. Pour cela, il vous faut un morceau, enfin deux plus exactement, de papier design qui mesure 11,5 par 4,5. Ces deux morceaux vont venir se positionner de part et d'autre de cette petite languette. Encore une fois, n'oubliez pas d'arrondir les angles du papier design si vous l'avez fait au préalable sur le papier uni. Hop, ça va venir donc de chaque côté. Donc, vous voyez ici. Alors, je vais vous décaler les petits post-it pour celles qui prennent des notes en cours de route. Voilà, donc ça va venir ici et l'autre ici. Bon, vous avez vu, c'est un projet quand même qui a quand même un super effet. On se dit quand on le voit, waouh, ça va être chaud. Et puis finalement, c'est super facile, on est d'accord. Et l'autre viendra de l'autre côté, vous vous en doutez, ça, j'ai même pas besoin de vous le dire. Voilà, je viens le coller. Hop. J'actualise à chaque fois. Je ne perds jamais espoir et je n'abandonne jamais. Bonjour les filles, merci. Oh coucou, bah, super, je vois seulement maintenant ton message, Ali. Les familles d'harmonie, c'est un peu notre famille. Oh, elle est mignonne. Coucou Monique, comment ça va? Je suis désolée de ne pas t'avoir salué avant. Je ne sais pas depuis combien de temps tu es là. Puisque j'ai un problème de commentaire, ça fait 25 fois que je le répète, mais quand même. Donc j'espère que tu vas bien. Milo, mon petit neveu, il a fêté ses 2 mois hier. Mais je ne l'ai toujours pas vu. Hop, là. Ok, ça commence à prendre forme, tout ça, vous avez vu? C'est chouette, hein? J'adore. Ok. Je vais venir ici mettre mon papier design, hein, vous vous en doutez, on ne va pas laisser là comme ça. Hein, ça fait moins joli. Donc, pour ceci, j'ai un besoin d'un morceau de 11,5 par 11,2
qui va tout simplement venir se mettre ici. Si jamais vous voulez mettre une couleur supplémentaire, c'est-à-dire avoir un papier de matage qui va se positionner entre la base de carte et le papier imprimé, simplement vous prenez cette mesure-ci pour le papier de matage et vous réduisez de 0,5 pour le papier imprimé, tout simplement. Je vous mets ici, zou, et je viens le coller. Ah, je l'ai mis dans le bon sens du premier coup. Incroyable. Deux mois, ça passe trop vite. Ah bah, qui dis-tu, oui. Mon Dieu. Ça en est passé des choses en deux mois. Ça va vite et en même temps, ça paraît une éternité. Hein. Franchement. Voilà. J'adore. J'adore ce projet. Je l'adore. Ok. Pour finir. Donc, pour... Ça va être sympa en plus pour celles qui ont décidé de ne pas mettre les aimants comme moi. Hein ? Voilà. Il vous faut... Donc, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pris un... J'ai fait un petit bandeau, d'accord ? Qui va retenir. Donc, pour faire ce petit bandeau, tout simplement, j'ai pris une bande de papier uni. Donc là, je suis partie dans le vert. Vert jardin. 28 par 3 cm. D'accord. Je ne vais pas vous indiquer des plis bien précis, en fait, puisque ce n'est pas nécessaire. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Hop. Je vais à peu près centrer. Ok. Voilà. Et en fait, je vais simplement donner la forme à cette bande toute seule. Une fois que j'ai commencé à rabattre, je vais le relever un tout petit peu d'un demi-millimètre ici. D'accord ? Avant d'aller former le second pli. Tout simplement parce que on veut que cette bande puisse glisser tranquillement autour de notre carte, d'accord ? Pour pouvoir l'ouvrir et l'enlever et la remettre facilement aussi. Donc, je marque le pli ici, je la remonte un tout petit peu cette bande et maintenant je viens hop, lui donner le second pli ici sans trop serrer. Voilà. De cette façon, si on ne serre pas trop, ça glisse plus facilement. D'accord? Et là, tout simplement, maintenant que c'est fait, hop, encore une fois, sans trop serrer, on peut laisser un petit peu de jeu. Je vais venir coller. Hop. Oui, mon tapis. Je ne peux pas me passer de mon tapis. Hop. Voilà. On fait attention de bien aligner quand même pour que ce soit joli. Et voilà. Ok, et du coup, ça glisse plus facilement. Si j'appuie dessus comme une sauvage, évidemment, ça ne va pas glisser. Hein. Voilà, du coup, le fait d'avoir laissé ce petit millimètre après avoir fait le premier pli, on est beaucoup plus tranquille. Ok, ce que je fais maintenant, c'est que je le retourne. Hop. Et je vais venir décorer cette petite bande pour mettre un sentiment et aussi pour cacher ici... Le petit rabat, voilà, le papier, hop, ici on va venir le cacher. Et pour ça, j'ai utilisé toujours le même ensemble de cette Christmas Season et Noël inoubliable. Hop. Alors, c'est parti. Une petite étiquette toute mimi qui va venir ici, qui va comme ça bien cacher ma bande de papier uni. Hop. Alors, merci Gazelle. Ça va venir cacher ici. Et puis des petites décos. Alors pareil, j'en ai préparé pas mal à l'avance. Donc je vais prendre tout ça. Peut-être que les grosses pommes de pin vont peut-être être un peu grosses, mais est-ce que j'en ai des petites? Vous voyez, ça c'est des découpes que j'avais préparées avec le set dont je vous ai parlé. Vous voyez, toutes ces feuilles de houx, ces belles pommes de pin. Et puis j'ai voilà, hop, tout ça par exemple, vous avez vu les tamponnages, les découpes, tout est coordonné, c'est juste magique, c'est trop beau. Donc là je vais juste venir décorer tout ça, hop, voilà,
ça peut se positionner sur le bandeau. Alors, si je fais ça comme ça, je le fais en live avec vous, hein. Hop. Voilà, on va faire comme ça. Et puis une autre petite feuille de houx un peu plus claire. Voilà, pour faire des alternances de couleurs. Merci Ali, c'est gentil. Magnifique, si bien coordonné, j'adore, c'est trop beau. Mais vous êtes trop mignonne. Hop. Voilà, ça me paraît pas mal. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? On y va? Allez, c'est parti, je colle. Donc, maintenant que je l'ai positionné, je vais pouvoir retirer. Je vais venir coller ma petite pomme de pin. Ça y est, je commence à perdre ma voix. Voilà, que je m'hydrate ma petite pomme de pin. Maintenant mon étiquette pour faire des petites superpositions. Voilà, comme ça mon pli ni vu ni connu, c'est à dire qu'il est bien caché devant grâce à ma déco et qu'à l'arrière nickel. Et c'est parti, donc ma petite feuille ici. Est-ce que ma colle va être d'accord de fonctionner? Non, je sais, elle est vide. Voilà. Zou. Je vois plein de petits cœurs qui défilent. C'est trop cool. Il fait la sieste, Milo, Ali? Du coup, je ne sais même pas si Léo, il est en vacances. Pas encore. Hein. Hop, je vais caler ça derrière. Voilà. Et pour finir, je vais coller ceci. Alors, voilà, on va faire comme ça. Mais je vais utiliser mes petits glue dots qui sont quand même magiques. Ma petite pince, elle s'est volatilisée. Bon, c'est pas grave, on va prendre les ciseaux. Hop. Nickel. Voilà. Milo est dans les bras de papa qui est en congé. Ah, oh, c'est trop cool. Léo est à l'école, vacances le 22. Ah ouais, que le 22. Nous, c'est vendredi. Gros bisous. Hop. Voilà. Nickel. Alors, est-ce que j'ai mes petits embellissements à côté de moi? Non, je les avais pourtant. Ils sont là. Hop. Un petit peu de brillant pour finaliser, parce qu'on en a à l'intérieur avec le ruban, mais évidemment pas à l'extérieur. Donc, hop. On va mettre un petit peu de rouge. Voilà. Histoire de mettre un peu de brillant dans tout ça. Hop. Ah, encore une vivante. Et puis, elle dit, on va la mettre ici. Et voilà. Ça y est. Ah oui, trop chou. Ouais, tu m'étonnes. Tu les verras, ils sont trop beaux en plus. Ils sont trop beaux. Faut vraiment que j'y retourne vite, vite, vite là-bas. Et voilà. Alors, bon, je vais laisser tout ce bazar là parce que du coup... Sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Donc, nous avons la première version ici, donc avec ce joli petit sac qui s'ouvre. Ici, c'était avec la collection de papier câlin réconfortant. Et ici, on a fait la deuxième version aujourd'hui avec la collection Noël en peinture et les sets de tampons Christmas Season et Noël inoubliable. Donc avec les poinçons et les découpes qui sont juste magnifiques. Et on a fait cette jolie déco. Voilà. Et hop, vous voyez, ça marche aussi très bien sans aimant. Hein. Et voilà, cette deuxième version. Donc, c'est trop mignon. J'espère que ça vous plaît. Ça, c'est idéal pour faire des petits cadeaux. Quelle que soit l'occasion, c'est le top. Et voilà. Bon, on est dans le Noël très, très traditionnel, hein, je vous l'accorde. Mais ça a aussi son charme. Hein.
Et voilà. Voilà nos deux versions pour la carte sac à dos. Merci Fabienne, merci Sandrine, merci Gazelle, merci Mumut. Très beau projet, merci. Je finirai la déco tout à l'heure. Merci Rachel, c'est top. Je fais des retours en arrière à chaque fois pour essayer de voir tous vos commentaires. Coucou Fabienne, je t'avais pas vue. J'espère que tu vas bien. Merci Jocelyne, c'est trop gentil. Coucou Marie, merci pour tes petits cœurs. C'est trop gentil. J'ai vraiment perdu ma voix. Merci beaucoup Fabienne. Merci beaucoup tout le monde. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je suis désolée de ne pas avoir pu interagir plus que ça avec vous. Merci ma Laurence, c'est gentil ça. Je vais juste faire ça pour... Voilà, revenir vers vous, vous faire un petit coucou quand même. C'est bon, vous le savez, hein, j'ai horreur de ça, de ne pas vous voir, mais bon. Merci ma Rutine. Bisous ma Fabienne. À la semaine prochaine, Gazelle. Donc, rappelez-vous, la semaine prochaine, ce sera notre dernier live de l'année 2021. Ok. J'ai plein de petits cœurs, mais je ne vois pas tout le monde. Donc, ça sera une vraie joie pour moi de vous dire au revoir pour cette année 2021. Et puis, bien sûr, on se retrouvera dès 2022 pour le premier live des portes ouvertes pour le mini-catalogue. J'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de vous retrouver à cette occasion, donc le 5 janvier. D'accord? Merci Sandrine. Merci Ali. Gros bisous à vous quatre. J'espère que le projet vous a plu. Vous retrouverez tout ça d'ici quelques minutes sur mon blog harmoniescrap.fr, mais également sur ma chaîne YouTube. Ok? Coucou Cathy, gros bisous ma belle. Et puis voilà, tout ce dont vous aurez besoin pour réaliser ce projet, vous allez trouver sur le blog. Et j'espère voir plein de vos créations. N'oubliez pas de partager vos créations. Vous pouvez le faire en commentaire sous le live ou sur ma page. Mais n'oubliez pas le hashtag HarmonyScrap. Comme ça, je suis notifiée pour pouvoir voir toutes vos belles créations. Et c'est toujours un bonheur pour voir. Pour moi, pardon. Coucou Nathalie, tu arrives à la fin, tu regarderas le replay. Oui, bien sûr. 2022 en présentiel. Croisons les doigts de pouvoir organiser quelque chose en présentiel. Et je vous rappelle les VIP qu'on se retrouve demain soir à 18h pour notre Zoom créatif. D'accord? Donc n'oubliez pas, 18h demain soir. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente après-midi. Prenez bien soin de vous. Reposez-vous si vous en avez la possibilité, si vous êtes au boulot, bon courage, je vous embrasse très fort et je vous donne donc rendez-vous samedi à 11h pour la publication du nouveau projet, du dernier projet 2021 avant quelques jours de vacances. Je vous embrasse très très fort et à très bientôt. Ciao tout le monde!